Eh bien bonsoir à tous, c'est Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière mise à jour qui s'appelle la série originale. On va parler du coup des officiers, des événements, des recherches et pas mal de changements. Et puis on va voir un peu ce que vaut cette mise à jour. Donc peut-être qu'on va commencer directement par les événements et le Battle Pass. C'est ce qui est assez intéressant. Donc le Battle Pass, honnêtement, il est un peu moins bien que les autres fois. Est-ce que c'est toujours rentable de l'acheter? Oui, pour 20 francs, les récompenses sont toujours aussi bonnes. Hein. C'est difficile que ce soit pas rentable. Hein. Faudrait vraiment qu'il soit nul, hein, le Battle Pass. Hein. Et on a, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu baissé le prix. C'est qu'on a ce 4 étoiles assez rare, raffiné. Donc ça, c'est bien. Je crois que ça donne la possibilité, je vais regarder avec un abonné, que ça donne la possibilité de débloquer la primordiale des officiers. Il me semble. Donc, si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Si c'est pas le cas et que tu l'as déjà, ben, c'est toujours 100 de gaz, 4 étoiles, c'est toujours bien. Clairement, ça va servir plus tard. En tous les cas, ça va être utile, hein, ça c'est sûr. Mais si tu as la possibilité de mettre cette primordiale grâce à ce gaz, vraiment fais-le, ça en vaut la peine. Autrement, voilà, ça en vaut toujours la peine. Il y a les missions que tu peux débloquer dans l'Event Store. J'ai pas trop compris pourquoi on peut en débloquer que deux des trois. Pourquoi pas? Probablement qu'il y aura une, je sais pas, une mission secondaire ou un moyen de débloquer la dernière mission. Mais je ne sais pas comment pour le moment. On va voir maintenant un peu les événements. Donc on a... Ils ont pas chômé sur les événements de style. On a l'événement normal de style pour gagner les points de Battle Pass. On a l'événement solo pour les avec les comment ça s'appelle les officiers. Honnêtement, très bonne récompense, hein, surtout pour la première place. Je suis un peu déçu parce que moi qui économise souvent, ben là j'avais pas fait de stock parce que j'étais en train de les refaire. Et honnêtement, j'aurais pu facilement, avec les stocks que j'avais dans la prochaine vidéo, vous verrez, prendre la première place assez aisément, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Récompense pour l'Alliance qui est pas incroyable, mais qui est plutôt bonne, on va pas se mentir. 1000 de crédits d'Alliance, 10 millions, enfin 10 millions de dilithium et 11 millions de dilithium qui sont bien. Non, c'est quand même, c'est des bonnes récompenses. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est des bonnes récompenses quand même. Clairement, c'est des bonnes récompenses. Événement de PVP qui est pas super intéressant parce que on peut te mettre avec des jellyfish, même si au final peut-être que je vais vite retrouver le screen que j'ai fait hier. J'avais fait un combat contre un jellyfish et j'étais assez surpris du nombre de dégâts que j'ai pu lui faire. Non, alors, je pense pas que je vais retrouver, malheureusement non, je l'ai pas retrouvé. Ouais, j'ai tapé tellement de style avec ces événements en tir aujourd'hui. Non, j'ai pas retrouvé. C'est dommage, mais j'avais fait pas mal de dégâts en jellyfish, j'étais assez surpris. Autrement, nouveau événement. Voilà, encore des hostiles. Et puis ça, encore par rapport à l'événement d'avant, encore des hostiles. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Honnêtement, là, ça commence à faire beaucoup. Événement maintenant payant. À 300 balles, que je ne conseille pas de faire parce que les récompenses, sincèrement, c'est absolument trop faible. C'est juste additionnel si tu vas prendre les packs. Ces packs qui sont voilà. Là, il y a un pack Latinium, Borg et Nanoprobe. On va voir directement ce que ça vaut. Alors, je conseille aucun de ces packs, sincèrement, ça n'en vaut pas la peine selon moi. Mais il y a des recherches qui sont quand même intéressantes. On va regarder d'abord les recherches primordiales. Ça permet de doubler les récompenses pour les crédits de faction et la réputation chez les Borg dans le truc de raffinage. Donc ici, en gros, il y a tout qui est doublé. Là, t'as... attends, c'était quoi? C'était la réputation. Voilà, donc c'était la réputation. Donc ça, qui est doublé, super, pour 100 balles, tu passes de 26 à 52. Génial. Et les crédits, donc ça c'est peut-être un peu plus intéressant, mais pour 100 balles ça en vaut pas la peine. 150 à 300. Et ça c'est 150 niveau 37. Hein. Donc, et ça aussi, les récompenses apparemment sont meilleures.
Ouais, d'accord, vraiment. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Maintenant, on va voir les recherches primordiales de. Qu'est-ce qu'il y a? Des nanoprobes. Ça, c'est assez intéressant, doubler les nanoprobes. Mais, encore une fois, est-ce que réellement, on va pas se mentir? Alors, c'est là. Est-ce que c'est vraiment intéressant, ces officiers Borg, hein, honnêtement, hein, quand est-ce qu'on va revoir un arcoborg? Je sais pas si ça en vaut la peine. Vraiment, je sais pas si ça en vaut la peine. Je sais pas pourquoi je reviens là. Et dernièrement, le latinium. C'est assez intéressant parce que tu baisses de 25% ton coût pour le latinium et t'as 50% en plus de latinium. Mais pour 100 balles. Autant t'acheter un pack et t'auras du latinium en abondance. Vraiment. Maintenant, on a ces recherches de nanoprobes. Ça, c'est intéressant. Ça te fait moins de rounds. Enfin, t'as moins besoin d'utiliser ton bidar. Ça, je trouve que c'est des bonnes recherches, sincèrement, qui sont sorties. Bon, la vitesse d'impulsion du Franklin, on s'en fiche un peu. Ça, c'est plutôt pas mal. Bonne recherche, je conseille. Sécurité d'Oddvar, maintenant, elle ne sert à rien. On va voir pourquoi. Parce que cette recherche de latinium. Pour augmenter la vitesse de l'atinium du Dvor, c'est une bonne recherche, mais qui est buggée et du coup qui fait que ton Dvor mine à une vitesse qui est peut-être 10 à 15 fois supérieure à la vitesse de base. Je vais juste montrer ça, hein, rapidement. Voilà, pas de fichiers spéciaux, etc. pour miner plus vite. Hein. Je vais te montrer à quelle vitesse mine mon Dvor. Moi, je vais toujours dans ce système. J'ai l'impression que sur certaines mines, ça ne fonctionne pas. Et sur d'autres, ça fonctionne. Voilà, 253 524 par heure. Autant dire que en moins de 20 minutes, j'ai rempli ma cargaison. Donc, ça permet de miner vite le latinium. Ça, c'est. Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'était une recherche qui manquait. Parce qu'il n'y avait pas d'officier de latinium. Il n'y avait pas de recherche pour miner plus de latinium. Et le devoir était pas hyper efficace. Donc ça c'est une bonne recherche, même si elle est buggée, pour une fois il nous laisse l'avantage de la garder. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant on a tout vu pour les recherches. Attardons-nous un peu plus sur ces nouveaux officiers. Voir ce qu'ils donnent un peu. Alors il y a pas mal d'officiers. Je trouve que vraiment il y a des bons officiers. Alors on a Mäkinen qui nous permet. En tant que capitaine, de miner 10% plus vite n'importe, enfin ça augmente de 10% de la vitesse de minage. C'est pas intéressant, mais c'est intéressant en officier. Elle augmente de 20% la vitesse de minage de l'isogène. Ça, cet officier, elle va aller super bien avec, comment elle s'appelle, Ariam, parce qu'elle, Ariam, augmente la vitesse de minage de l'isogène de 60%. Avec Tilly, donc ça va être 40%. Ça, ça va bon, très bien aller ensemble. Ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que, à force de miner cet isogène à des vitesses fulgurantes, bah, tu vas manquer un peu de soute. C'est pour ça qu'ils ont sorti Dupont. Dupont, très bon officier. Tu peux aller jusqu'à 300% de cargaison protégée supplémentaire. Pour donner un ordre d'idée, Spring, on va voir à combien il est, honnêtement. Spring, il est à. 300% aussi, c'est génial. Donc en gros, t'as un autre ping. C'est une très bonne nouvelle. Parce que 10 sur 10, on va pas se mentir. 35%. Donc en gros, t'auras 10 fois plus de cargaison de protégés. Bon, pas réellement 10%, mais t'auras une augmentation de 3 pour. Enfin, de. Ouais, 2 à 3 fois la cargaison de protégés que t'as. Je pense. Ouais, 2 fois, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal quand il sera max. Dupont, très bon officier. Honnêtement, j'aimerais vraiment le débloquer pour remplacer 10 sur 10. Parce que même Dupont tier 1 reste meilleur que 10 sur 10 en termes de cargaison protégée. Où est Dupont? Il est là. Et puis voilà, Dupont augmente la vitesse de minage du G3, du gaz et du minerai de 35%. Ouais, c'est cool, mais bon, de toute façon, en tant qu'officier, tu vas utiliser Spring, Barotte ou Stone, donc ça va pas être utile. Maintenant. Qui on a d'autres? On a Uhura, qu'on va regarder directement, donc série originale Uhura.
vaisseau a du moral. Ouais, quand elle... ou alors c'est officier PVP, quand tu combats contre un joueur, tant que le vaisseau a du moral, Oura réduit les coups critiques de 10%. Les chances de coups critiques de 10%, pas très intéressant honnêtement. Quand on est en train de combattre, tant que le ship a du moral, le vaisseau a du moral, Oura retire 8% du shield. Ça peut être assez intéressant avec Yuki Capitaine, à voir si c'est efficace, parce que Yuki retire aussi du shield. Oura va aussi retirer du shield, et ça c'est 8% de base, tier 1 donc, hein. Ça va augmenter avec les tiers, je sais pas si ça va être 8, ensuite 16, 24, peut-être être 8, 12, 16, je sais pas. Mais avec Yuki, honnêtement, on va juste prendre Yuki pour voir si on la trouve. Tac-tac-tac. Yuki. Voilà, Yuki qui est là. Yuki qui retire 10% du shield. Tu vas avoir Oura qui retire 8% du shield. Ça peut être assez intéressant, honnêtement. À voir après. Ensuite, tac-tac-tac. Kirk. Série originale, Kirk. Tac-tac-tac. Quand tu combats un joueur, au début de chaque round, tant que le ship a du moral, Kirk augmente les dégâts des vaisseaux, des... comment ça s'appelle, armes énergétiques de 50% de la défense des officiers. Intéressant, ça va être en corrélation avec l'Enterprise, les armes énergétiques. Donc, et encore, là, on peut voir, c'est encore un officier PVP. Hein. Et au début de chaque round, si le... la santé du vaisseau est au-dessus de 30% de sa valeur de départ. Kirk a 75% de chance d'inspirer du moral pour le round. À voir ce que c'est que ce truc d'être au-dessus de 30%, etc. Mais c'est sa capacité. Donc ce qui est intéressant avec un deuxième Kirk, c'est que tu as le Kirk de base, que tu peux utiliser, j'en sais rien, sur ton Enterprise pour faire des armadas. Et tu as ce Kirk que tu peux utiliser pour avoir du moral sur les... sur le, je sais rien, sur ton Stella par exemple. Donc ça fait que tu as deux Kirk pour activer la capacité de Spock. Maintenant, là, Spock, quand on est en train de défendre, au début de chaque tour, Spock restaure 100% du shield par rapport aux défenses des officiers. Ça, c'est intéressant parce que, enfin, en fait, ça va pas être hyper intéressant, mais. C'est quand tu défends en gros. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un t'attaque, soit quand ton vaisseau est dans la base, ou soit littéralement quand tu es en PVP et que tu laisses ton vaisseau flotter. Donc tu peux pas attaquer. Il faut qu'on t'attaque pour que la capacité de capitaine se déclenche. Et la capacité d'officier, quand tu combats un player, un joueur, donc encore une fois, officier PVP, tant que le vaisseau a du moral, Spock réduit les coups critiques de 50%. Donc c'est intéressant, plus que Oura qui réduisait, je crois, de 10% de chance de ré... en moins de te faire toucher par un coup critique. Là c'est 50% en moins de dégâts. Donc c'est vraiment des officiers PVP. Je pense pas qu'ils vont fonctionner, du coup Spock et Kirk contre les Armadas. Ça c'est vrai, donc du coup je retire ce que j'ai dit. Mais ça reste toujours intéressant d'avoir un second officier qui peut déclencher du moral. Ça peut toujours être utile. Parce que cet officier, ce type de combat, c'est-à-dire que tu peux avoir un type Enterprise, on va dire, avec équipage normal, donc Spock rare et Kirk, voilà, donc l'équipage que j'ai là, qui est intéressant. Et tu peux avoir, alors pas sur Enterprise du coup, hein, Spock, hein, mais sur un autre. Et puis après, tu peux avoir Kirk, la série originale, sur ton augure, etc. Ça peut être intéressant. Avec Spock du coup. Ça peut être un très très bon équipage, honnêtement. Maintenant, à voir ce que le futur nous réserve quand ils vont être débloquables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire. C'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command.